Salam alaikum, Azul, bonsoir. Certains signes ne devraient pas tromper, et certaines situations non plus. Et certains événements, certains bouleversements, devraient interpeller la société tout entière, provoquer une saine clameur publique, une alerte au sein de la nation, un salutaire avis de tempête pour se préparer au pire, à Dieu ne plaise, pour se préparer à la résistance, à la solidarité, à prendre le taureau par les cornes et tout entreprendre pour sauver les meubles, comme on dit. Pourtant, malgré la gravité de la situation, malgré une crise économique qui s'annonce déjà et dont les effets se font déjà ressentir très durement sur la vie de tous les jours de millions d'Algériens, malgré une répression sans précédent exercée contre des militants politiques, malgré l'instrumentalisation de la justice contre les citoyens et même contre le droit, contre la notion même de justice, contre le sens même de la Constitution et de la République, malgré le nombre alarmant de Harraga qui se jettent à corps perdu dans la Méditerranée pour tenter de fuir leur pays, malgré la plus totale défaillance des pouvoirs publics dans la gestion de la Covid, malgré le nombre croissant des chômeurs dont le vrai taux n'est pas loin de 50% de la population active, malgré les dépenses militaires abusives sur lesquelles aucune institution n'a un quelconque droit de regard, encore moins de contrôle, malgré une ahurissante carence de l'État dans la gestion de la circulation routière qui provoque tous les jours des hécatombes, malgré le bilan désastreux de l'école et de l'université qui ne produit plus que des chômeurs diplômés ou des candidats à l'exil, malgré la situation tragique du secteur de la santé, et malgré tout le reste que nous ne pouvons pas tout signaler ici, parce qu'en fait, rien ne fonctionne dans ce malheureux pays. Absolument rien, si ce n'est les achats massifs d'armement et de dotations militaires. La société algérienne, malgré tout ce que j'étais en train de vous dire, la société algérienne reste de marbre, non concernée, comme totalement fasciné, incapable de réagir à la terrifiante réalité et qui donne l'impression d'avoir été anesthésié. Et finalement, si nous devions faire un état des lieux sans concession et sans aucun autre état d'âme, ce régime aura réussi la monstrueuse gageure d'atomiser la société, d'inséminer en son sein la haine et la discorde, de neutraliser tous les acteurs sains d'une aspiration au relèvement de la nation et à un état de droit. Un régime qui joue sur du velours, un régime qui a poussé la conquête de l'espace public jusqu'à domestiquer la pseudo-opposition, jusqu'à corrompre des influenceurs et des relais médiatiques que nous pensions indépendants. En peu de mots, un bilan tragique et de très sombres perspectives. Une situation qui laisse imaginer que les lendemains ne seront pas très réjouissants. Une situation qui aurait dû provoquer une mobilisation nationale pour sauver ce qui peut encore l'être et qui pourtant n'a suscité aucune réaction
de salut public. Et c'est dire que l'état des lieux est très inquiétant. Et c'est dire que tout reste à faire, si tant est que ce n'est pas trop tard, pardonnez-moi, que ce n'est pas irréversible. À Dieu ne plaise. Bedjar. Algérie, un train de mesures irréalisables. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Abbas Hamadan, universitaire, militant politique. Abbas Hamadan, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Assalamu alaikum, Azul Fulawala. Mohamed Ben Issa, militant politique, merci d'être avec nous. Merci. Nous aurons au téléphone avec nous Omar Ait Mokhtar, militant politique qui restera quelques instants avec nous, et nous recevrons, comme nous vous l'avons promis à chaque fois, M. Mohamed, citoyen, qui va nous accompagner quelques instants pendant cette émission pour nous dire un peu la réalité que vivent nos concitoyens, j'allais dire, sur le terrain. Mais avant, j'aimerais présenter mes condoléances à notre ami et frère Idir Ounourn, qui a perdu sa sœur. Il est en ce moment même en chemin pour aller la rejoindre, pour aller la voir, l'accompagner à sa dernière demeure. Idir, baraka fi raskoum, adamallahu jarakoum, rabbi atikoum sabr. Alors, mes chers amis, avant de commencer, nous allons recevoir Qassi Chaban, mon confrère Qassi Chaban, qui va nous faire une petite revue de la presse. Bonsoir, bonsoir aux invités, bonsoir Jamel Dini une nouvelle fois, et bonsoir aux téléspectateurs. C'est difficile hein, de prendre la parole après les quelques images que vous venez de diffuser. Il y avait un espoir en février 2019, notamment cette révolution, le Hirak, hein, puisqu'il y avait à ce moment-là un espoir de vivre dignement en Algérie, et il n'y avait quasiment plus de Haraga. Ce sont ces jeunes femmes qui malheureusement tentent de prendre le large pour quitter l'Algérie, puisqu'il est difficile de vivre dignement. En Algérie, ça s'était calmé en 2019, et aujourd'hui, malheureusement, le fléau, le phénomène de l'immigration qui continue à prendre des proportions alarmantes en Algérie. 7 embarcations pneumatiques transportant 80 migrants algériens ont été interceptées dans la nuit du 12 au 13 septembre, donc il y a quelques heures seulement, au large des côtes d'Alicante et Murcie, a annoncé donc aujourd'hui, en ce mardi, les autorités locales et les services de secours. À Alicante aussi, la garde
civile a localisé 5 embarcations sur les côtes de Santa Paola et Benidorm. 59 migrants d'origine algérienne à bord, dont 2 mineurs. Le 6 septembre dernier, 11 embarcations, 160 migrants algériens ont été interceptés en à peine sur les côtes espagnoles en 48 heures. Le 5 août dernier, ces 6 embarcations avec 71 haragas qui ont été interceptés. En juillet dernier, pour vous donner un peu une tendance, ce sont 2217 haragas, donc toujours algériens, qui ont été interceptés aux côtes espagnoles. Toujours selon les chiffres de la police espagnole, en 2020, l'Espagne a été malheureusement la destination préférée des haragas algériens. Sur les 41 000 migrants arrivés en Espagne, 11 200 sont de nationalité algérienne. L'Italie, la deuxième destination malheureuse dans ces conditions, avec 1458 Algériens sur 34 000 migrants, pardon, selon le ministère italien de l'Intérieur. Un rapport de l'ONG Caminando Fronteras, au moins 231 migrants en 2020 algériens ont perdu la vie. Vous avez vu ces quelques images. On va bien évidemment, vous le disiez, Jamel Dine, revenir sur ce règlement à l'amiable pour la restitution de l'argent détourné, donc en débat à l'APN, une mesure relative, écoutez bien, je cite, à la réconciliation économique qui a suscité une multitude d'interrogations de la part des députés, de toutes tendances confondues. Vous allez vous poser cette question dans quelques instants, certainement, Jamel Dine, puisque plusieurs députés ont émis des réserves par rapport à cette mesure qualifiée d'amnistie pour ces ex-hommes d'affaires emprisonnés pour certains actuellement. Alors des réactions qui suscitent des interrogations, on peut se poser la question ce soir par exemple, le MSP Ahmed Sedour, le chef du groupe parlementaire, qui lui a qualifié ce règlement à l'amiable d'anormal, je cite, qui s'inscrit en droite ligne avec le contournement des revendications du Hirak. Nous dénonçons et refusons ce règlement. Je continue à le citer. Je crains, dit-il, que cette procédure à l'amiable n'ait été imposée par le reste de la bande ou des oligarques pour aider leur père incarcéré d'avoir un alibi juridique qui soit entériné, adopté par le Parlement, leur permettant à l'avenir de quitter la prison. Et pour en citer un dernier, oui, le FLN aussi réagit avec Ahmed Ben Ravah qui se pose cette question. Est-ce que ce mode de règlement à l'amiable n'aboutirait pas à une amnistie en faveur des hommes d'affaires, de dirigeants et de hauts commis de l'État, notamment des ministres, premiers ministres, contre lesquels la justice a déjà prononcé, pour certains qui se sont fait donc interpeller, prononcé de lourdes peines de prison dans le cadre des affaires de corruption. Voilà la question que se posent notamment certains dirigeants de l'ANP concernant cette réconciliation à l'amiable. Le tourisme en Algérie, pour ceux qui ont eu le plaisir et l'occasion de regarder la télévision française, qui se souvient notamment de ces émissions comme Le Juste Prix ou La Roue de la Fortune, on avait souvent donc une proposition, notamment au niveau des gagnants, qui repartaient avec un séjour en Tunisie et au Maroc, ce qui n'était pas le cas de l'Algérie. Nous allons donc parler du tourisme, notamment suite aux annonces du Premier ministre hier devant les députés de l'APN. Un tourisme qui, vous le savez, malheureusement, en Algérie, se retrouve face à des blocages, que ce soit économiques ou politiques, depuis son arrivée au pouvoir en 2019. Donc, Abdelmadjid Tebboune avait consacré au tourisme une bonne partie de sa campagne électorale. On se souvient, il y a à peine un an, un peu plus d'un an, Hassan Mermouri, donc ministre à l'époque du tourisme, voilà ce qu'il disait, que la relance du secteur du tourisme était un impératif dictée par notre aspiration à construire une nouvelle Algérie. C'est cette nouvelle Algérie, c'est le slogan d'Abdelmadjid Tebboune. Mais le secteur touristique peine donc à se développer, je vous le disais, sur plusieurs problématiques, des lacunes, des chantiers. Certes, il y a les infrastructures, les hôtels, mais pas que. Faut-il encore donner envie aux étrangers, même à certains immigrés, vous le disiez, Jamel Dine, qui aujourd'hui n'ont plus envie, ne peuvent plus avoir la possibilité de voyager, mais qui pour certains, malheureusement, sont totalement, excusez-moi de expression, sont totalement dégoûtés de leur propre pays qu'ils aiment autant. Faut-il encore donner les moyens à personnel de se former et de pouvoir proposer des prestations de qualité? Voilà ce que disait le ministre du Tourisme à l'époque. Les propositions, la raison notamment pour laquelle le tourisme ne se développe pas en Algérie, que les propositions d'offres touristiques au meilleur rapport qualité-prix ne sont pas présentes en Algérie. Hier, vous le disiez, le Premier ministre, donc Abdelrahman a mis en avant ce plan de destination d'Algérie, un tourisme d'excellence. Le Premier
Premier ministre parle de 200 projets touristiques d'ici 2024, avec notamment une capacité nationale de stockage des eaux qui sera portée à 12 milliards de mètres, 50 000 km à l'horizon, notamment de 2024. Alors un pays, je vous le disais, qui depuis des années accumule un certain nombre de fléaux, je vais vous en citer quelques-uns puisque Jamel Dine va y revenir dans quelques instants. Problème politique, un chef de l'État qui a perdu la confiance, voire totalement illégitime, une crise sociale, une crise sanitaire où la gestion n'a pas du tout été au rendez-vous, un tarif exorbitant des compagnies aériennes, un visa, sachez-le, à 90 euros lorsque vous n'avez pas de passeport algérien. Je vous passe les détails lorsqu'il faut aller demander un visa, c'est très difficile, un manque de liquidité, des problèmes de transport aussi en Algérie. Et pour arrêter là, Jamel Dine, n'oubliez pas, que l'Algérie, maintenant, depuis quelques mois, malheureusement, fait la une de la presse internationale, notamment autour des arrestations ou encore de la liberté de la presse, ce qui donne pas forcément envie aujourd'hui de partir et de visiter ce magnifique pays que nous connaissons tous. Merci, Chaben. Alors, mes chers amis, moi, je vous propose de commencer. On fera que survoler parce qu'il n'y a pas encore de vrais détails sur le sujet. Les élections locales, APC, APEI. L'information la plus notable est celle annoncée par le FFS de participer. Alors, à votre avis, sur un plan, j'allais dire, existentiel, est-ce que participer à des locales peut être dissocié de participer tout court? Le FFS, rappelons-le, qui a failli participer aux législatives, on a été dissuadé par sa base, qui a considéré que c'était une collaboration avec, j'allais dire, l'ennemi, avec le système, avec le régime. Mais là, ils sont en train de nous dire non, ce n'est pas la même chose. Participer au local, c'est différent. Votre avis sur la question, Abbas? Donc je renouvelle mes salutations aux spectatrices et aux spectateurs, et puis à votre invité, et puis encore une fois, merci. Alors concernant le FFS, vu la relation affective de grand respect que j'ai pour ce parti, je rappelle que j'ai été conseiller de défunt Hussein Etamed, donc j'ai une relation très, très particulière par rapport à ce parti. Je pense, moi, aux derniers militants du FFS historiques, ceux qui ont fait 63, des vrais moudjahidines, je pense à eux, et je suis en contact avec quelques-uns parmi eux. Ils sont dans une souffrance terrible de voir leur parti jouer ce rôle-là de céder justement à cette manœuvre de normalisation qui est là depuis plusieurs années. Alors la participation aux élections locales rentre, il faut le rappeler, on est dans le parachèvement d'une opération qui a commencé depuis le départ de Bouteflika, le départ obligé, contraint par le Hirak. Donc il fallait, le pouvoir algérien depuis 1962, c'est un pouvoir militaire, mais il a toujours besoin, contrairement aux juntes militaires de l'Amérique du Sud, il a toujours besoin d'un habillage civil. Donc ça a commencé avec l'élection, la désignation d'un président de la République, une assemblée fantoche, et maintenant, pour parachever un peu cet habillage civil, on va organiser des élections locales qui ne serviront qu'à, justement, parachever cette opération d'habillage civil. Et par ailleurs, je tiens à rappeler que le maire en Algérie, il n'a aucun pouvoir comparé à d'autres pays, où le maire est considéré comme un chef d'État local, qui a des prérogatives à la fois de police, etc., de magistrat. En Algérie, le maire peut être suspendu par le wali. Bien sûr. Il peut être suspendu du jour au lendemain. Il pèse sans rien. Sans vraie procédure. Tout à fait. Il ne pèse rien devant un chef d'Aïra et le wali, qui sont, eux, des commis de l'État. Donc, je ne comprends pas, en fait. On ne peut le comprendre que par une effélinisation du FFS. Moi, je parlerai de ça, quoi. Le FFS, qui est un parti historique, un parti respectable,
qui est respecté le premier parti d'opposition, réduit à jouer le rôle qui est attribué au MSP, au FLN et tout, ça fait vraiment mal et ça me... moi, j'ai le cœur brisé de voir le FFS. Bon, voilà. Après, je tiens à préciser que la décision de participer n'engage pas le FFS historique. Elle n'engage que les personnes qui ont pris ça, ceux qui ont squatté l'appareil du FFS aujourd'hui. Voilà. Mais pourquoi n'ont-ils pas été à la base ça veut dire au regard de la complexité de la question, parce que c'est réellement hautement moral, hautement vertueux que de ne pas aller aux élections avec un système prédateur, un système qui s'est imposé par la force, par l'armée, dont le président lui-même a été installé par l'armée. À la limite, si tant est qu'on se rend à leurs arguments qui affirment qu'on ne peut pas laisser la place vacante, sinon c'est le FLN qui va prendre les APC, le RND. À la limite, pourquoi ne pas être allé à la base, au moins se faire cautionner par la base, qu'elle dise oui ou non. Et si la base dit oui, ça aurait été beaucoup plus facile. Est-ce qu'ils n'ont pas été à la base parce qu'ils avaient peur que la base dise non? Deux choses. La première chose, c'est que les élections, ça c'est le béaba de la démocratie, de la science politique. Les élections n'ont de sens que dans le cadre d'un état de droit où les libertés sont garanties, les espaces de débat sont garantis. Sinon, c'est juste une opération pour légitimer une dictature en place. Ça, c'est vraiment une règle de base. La deuxième chose, quand on parle de la base du FFS, est-ce qu'on parle des gens qui sont encartés aujourd'hui, qui ont des cartes, ou est-ce qu'on parle de la base qui a déserté, qui est restée fidèle aux idéaux du FFS et qui a déserté les rangs de l'appareil? Voilà. Donc, il y a une nuance. Hein, parce que aujourd'hui, mais même celle-ci n'a pas été consultée. Personne n'a été consulté. Enfin, encartée, comme vous dites, n'a pas été consultée parce que, d'après les échos qui nous parviennent, une grande majorité de cette base serait contre ces élections. Tout à fait. Non, mais c'est un coup d'État. On peut parler de coup d'État dans le parti, quoi, qui parachève toutes les choses ont commencé il y a bien longtemps de cela. La chasse aux vrais militants, la chasse aux... même au niveau de la stratégie du parti, il y a des principes fondateurs du FFS parmi lesquels l'Assemblée constituante. L'Assemblée constituante, elle est portée par le Hirak. Le Hirak, c'est le souffle, c'est ça qui donnait le souffle à cette revendication historique. Je rappelle que c'est une revendication qui date au moins de 1937, de l'étoile nord-africaine, elle était inscrite. Donc le Hirak, il lui a redonné un second souffle. Aujourd'hui, qui parle de ça? On va parler moi, j'ai entendu un discours, un argumentaire qui me rappelait franchement, pas le FLN d'aujourd'hui, le FLN de Msaadia, qui parle de stabilité, menaces extérieures, lignes rouges, enfin une terminologie qui nous rappelle le FLN de Msaadia, pas le FLN, même pas le FLN d'aujourd'hui. Alors, Mohamed. C'était attendu, cette décision des instances du FFS a été attendue. Hein. On a vu ce qui s'est passé lors des élections législatives. Ils étaient à deux doigts de participer aux élections, si ce n'est une vraie mobilisation de la base. Après, par rapport à la consultation, je voulais juste rebondir à ça, les instances légales du FFS ne sont pas obligées de consulter la base. C'est des instances qui sont, entre guillemets, élues. Donc, c'est des instances souveraines qui doivent prendre des décisions importantes. Donc, ils ne sont pas dans l'obligation. Mais tout le monde le sait, comme tu viens très bien de le dire, que nous, ce dimanche aussi, comme vous connaissez, au sein de la diaspora, on a une bonne partie des militants de ce vieux parti. Et on a fait un radio-trottoir, on a été les voir, un micro-trottoir, discuter avec eux un petit peu. Et tous les militants du FFS nous le disent clairement, que ça ne nous concerne pas. C'est une instance illégitime,
On est à l'image du pays, le FFS, les partis politiques, tous les partis politiques algériens ont été travestis, ont été entachés par la même maladie, le même virus qui est un pouvoir illégitime, une dictature, le non-respect des règles. Donc je ne vois pas, si le FFS était vraiment dans une logique de changement démocratique, il aurait dû faire quelque chose déjà dans le PAD. Le moment où il a quitté le PAD et où il a quitté cette lutte qui a commencé le 22 février, on avait compris que le FFS allait rentrer, comme on dit chez nous en arabe, « baytata ». Il allait rentrer dans le rang. Dans le rang, comme, voilà, et c'était prévisible. Mais c'est encore vraiment dommage, dommage pour lui, parce que ce système, tôt ou tard, il va chuter. Hein, il peut pas. Tout le monde le sait, la population, le peuple, les militants du FFS et d'autres partis. Il faut aussi rappeler qu'il n'y a pas que le FFS. Parmi ce qu'on appelle les partis pro-démocratiques ou soi-disant progressistes, le PT aussi avait décidé avant le FFS de rentrer dans les élections, le PT de Louise Hanoun. Et quand on sait que Louise Hanoun aussi, elle est à la tête du parti depuis 30 ans, plus de 30 ans, on comprend que ces partis aussi font partie du décor du système. C'est ce qu'on appelle l'écosystème du pouvoir. L'écosystème politique. L'écosystème du pouvoir algérien. Il a besoin de partis fantoches, comme un parlement fantoche, comme des médias fantoches. Louise Hanoun parle de participation par tactique. Oui, c'est ce qu'il a dit. Une tactique. C'est ce qu'il a dit aussi le secrétaire général du FFS. Le secrétaire général a donné d'autres raisons, mais qui veulent dire à peu près la même chose. Oui, la même chose. Mais moi, on tient à le rappeler. Il a dit qu'il faut rester impliqué localement. Mais nous, on nous pose la question, ils sont où ces élus locaux que vous avez déjà, vous gérez pas mal de localités en Kabylie. Est-ce que vous avez pu empêcher les incendies? Est-ce que vous avez pu faire quelque chose pour le peuple? Et vous étiez un certain moment... Pour la répression très féroce. Mais il y a autre chose, Mohamed. Le FFS a été empêché de se déployer dans le reste du pays. Littéralement empêché. Il a été ghettoisé. Ghettoisé à la Kabylie. C'est un peu comme pour dire au reste des Algériens, ne vous inquiétez pas, le plus vieux parti d'opposition du pays n'est pas un parti algérien, c'est un parti Kabylie. Hein, avec ça, ce parti accepte de collaborer avec ce système, un système qu'il a contraint, qu'il a enfermé dans une seule région, qui fait tout pour que les Algériens le considèrent comme un parti qui n'est pas un parti national. Et avec ça, ils vont participer à des élections. Le système l'a enfermé, mais en même temps, c'est une décision, c'est un choix politique qui a été fait. Hein. Il faut le reconnaître. Donc, parce qu'il n'avait pas le choix. Oui, il n'avait pas le choix. Parce qu'on l'a enfermé. Oui. On ne lui a pas laissé le choix. Oui, non. Mais le FFS, moi, je me rappelle qu'il a tout fait pour s'installer ailleurs qu'en Kabylie. Moi, je me rappelle. Après 89, il a déployé des moyens considérables pour essayer de prendre langue avec des militants d'un peu partout en Algérie, mais ça n'a pas été possible. Moi, je vais juste apporter une nuance, si vous permettez. Bien sûr. Moi, je parlerai d'appareil du FFS qui a engagé. C'est pas le FFS, parce que le FFS, c'est un parti qui a ses hommes, ses femmes, son âme, histoire, oui. Ses idéaux. C'est un parti qui est né, le premier parti, qui ont constitué de vrais moudjahidines, qui ont posé en 1963 les revendications du Hirak. Hein. Donc voilà, ça c'est le parti, c'est pour ça que je parle d'appareil. Aujourd'hui, ce n'est pas le parti qui a engagé, Donc il faut corriger, il faut dire pourquoi l'appareil du FFS a-t-il accepté de collaborer avec le système. Par respect à l'histoire, parce que c'est un parti qui a des martyrs, c'est un parti qui a une histoire, c'est un parti, donc moi je... je me le refuse à moi, libre à chacun d'utiliser. Moi, je parlerai d'appareil. L'appareil actuellement est entre les mains de gens qui n'ont absolument rien à voir avec les idéaux et les principes de Vous m'avez rappelé, pardon Mohamed, vous m'avez rappelé une blague qu'on racontait dans les années 70. À l'époque, il y avait Qaïd Ahmed qui était le patron, Rabbi Rahmo, du FLN. Et on nous parlait tout le temps d'appareil politique du FLN. Et on dit qu'un jour, quelqu'un
appelé le FLN et il a dit passez-moi l'appareil du FLN. Et Khaled Ahmed, qui était à l'autre bout, lui a dit vous êtes avec l'appareil lui-même. Je vais juste rebondir à ce qu'il vient de dire, monsieur invité. Justement, ça fait partie aussi des choses que le FFS n'a pas pu régler depuis longtemps. On critique à la FLN de jouer sur ce qu'on appelle la légitimité historique. Le FFS aussi l'enjeu beaucoup, joue beaucoup. Et en plus, un parti, c'est juste un moyen, c'est pas une finalité en soi. Le plus vieux parti doit se renouveler. Si on ne se renouvelle pas le parti, voilà, après le départ du défunt Aït Ahmed, on a vu qu'il y avait peu de personnalités qui étaient à la hauteur d'inventer autre chose. Jusqu'à maintenant, on revient, comme chez FLN, comme chez d'autres partis, on dit, oui, voilà, c'est la feuille de route, c'est la volonté de Aït Ahmed. Oui, mais Aït Ahmed, il a fait quelque chose, Allah yarhamou, pour son époque. Maintenant, on doit avoir d'autres classes politiques, d'autres hommes politiques qui doivent inventer la politique en Algérie. Il ne faut pas rester bloqué sur cette période-là. Et il ne faut pas tomber dans les mêmes dérives du FLN et autres partis. C'était parce qu'on a souvent des discussions avec des amis du FFS et d'autres. Et je tiens toujours à les titiller sur ce point. Je leur dis, voilà, il faut se libérer. Les partis, on peut leur changer de nom, leur changer de forme, parce que ça reste juste des moyens. Il faut rester fidèle à l'esprit du FFS. Absolument. Et absolument. Il faut pas, voilà. Donc, alors, nous allons recevoir Omar Aït Mokhtar, mais avant, nous allons écouter un peu M. Chorfi. Il y a seulement 8 qui ont été jetés. 8 في في المجالس البلدية الشعبية بينما في القوائم الحزبية راهي 1327 هاي في البداية في الانطلاقة هكا وشفنا في التشريعيات بأن في البداية كانت كيما هكذا بصح من بعد الأحرار راكم شفتوا كيفاش صبحت القوائم نتاع الأحرار يعني في بعض الأحيان حتى فاتت القوائم الحزبية لكن أعطيتكم دوك هذه تاع اليوم الأول في الانطلاقة كيف عليه الحال في المجالس الشعبية الولائية عندنا 39 قوائم حزبية وخمس قوائم مستقلة معناتها هذو اللي راح متقدموا للسلطة الوطنية يعني المندوبية الولائية وباش سحبوا الاستمارات انت الترشح نتاعهم وهنا نشير بأن الاستمارات راهي متواجدة عبر كامل مندوبيات السلطة الوطنية اليوم على الساعة 11 كانت يعني عدد المسجلين الجدد 25813 وعدد المشطوبين 48946 يعني تقريب ما يساوي 74000 من حالة الأشخاص المعالجة يعني فيه حركة لكن كان اللي يقول فلا ربما كيفاش في اليوم الأول كان 48000 مشطوب هنا باش نوضح لكم باش تكونوا عارفين يعني الميكانيزمات لأن القانون يشير بأن عملية التطهير القوائم الانتخابية تتم قانونا على طول السنة محمد بن عيسى كينوف Oui, malaise, monsieur. Je n'ai jamais vu autant d'hypocrisie, autant d'indignité. Je m'excuse hein, de sortir un peu de mon rôle de journaliste. C'est complètement choquant, révoltant, surtout avec le truc, la taslat, avec. Mais c'est des gens qui n'ont pas de limite, ils n'ont pas de bride, ils n'ont pas de butée, ils vont n'importe où. Atteh barakouche wissak. Mohamed Benesa, qui vous a remarqué, il utilise le terme harar. Et quand il parle de qawam, il dit le qawam mustaqilla. Normalement, il dit le moustaqillin, mais il ne dit pas le harar. Le harar, c'est un concept, comme l'a dit Mohamed, de moustalih, hiérarchiste. Ouais. Le harar, mouchtahmouhouma, c'est des indépendants par rapport au parti, mais ils ne sont pas harar. Ils ne sont pas libres. Mais ça, c'est encore la nouvelle arnaque du Jazair al-Jadida, sortir le mot les indépendants avant de parler de harar. Ouais. Les indépendants, c'est les FLN bis et les RND bis. C'est pas autre chose. Ils sont des satellites. On les connaît. Non, mais ils ont tous été dans le FLN. Absolument. Le RND et d'autres de. C'est pattes blanches. C'est pattes blanches pour passer. Voilà. Donc, et quand tu utilises le mot harar, c'est pour tromper encore le peuple. Jazair al-Jadida, l'Ahrar, l'état de droit. En fait, c'est
une vieille ficelle de la police politique, hein, d'utiliser, de récupérer des mots qui viennent de l'opposition. Ben, je ne parle pas d'opposition au sens partisan, qui viennent du peuple, des. Oui, oui. Les récupérer, les utiliser, les vider de leur sens. Voilà. Mais ça, cette technique de manipulation de la police politique, comme tant d'autres, elles sont revenues comme par hasard avec le retour de Médine, la résurgence du médianisme, donc dans plein de domaines, absolument, on peut le vérifier. Ça, c'est, ça fait c'est typique, partie. Hein. Bah, ça fait partie de, le, de l'arsenal habituel. Bien sûr, il lui glisse, il faut. Il n'hésite pas à utiliser Shuhada. Bien sûr. Shuhada, Thort November. Bien sûr. Donc pourquoi n'utiliserait-il pas des concepts? الحركة المبارك جمال الحركة المبارك الحركة الأصيل الحركة الأصيل الحركة الأصيل alors Omar Aït Mokhtar merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, bonsoir. Bonsoir. Omar Aït Mokhtar, d'abord première question, est-ce que vous êtes candidat à ces élections locales? Oui, je suis candidat, enfin je mets une liste dans ma commune d'origine, enfin, et dans ma wilaya d'origine. Donc, Fréha et Tizouzou. Fréha polycommunal, Tizouzou pour la commune. D'accord. Et vous ne craignez pas que votre communauté d'origine réitère ce qu'elle avait décrété contre vous, une sorte de bannissement? Non, mais écoutez, justement, l'occasion d'éclaircir un peu la situation. Vous savez, le bannissement, c'est 5-6 personnes qui ont manipulé, donc, ils ont dit des mensonges, comme quoi j'ai dit que les villageois sont des traîtres, je ne l'ai jamais dit, je ne l'ai jamais pensé, c'est faux. Et en tant que candidat à l'élection législative, comme j'ai trouvé la porte du bureau de vote soudée, porte en fer, donc j'ai déposé plainte contre X. Je n'ai pas déposé plainte contre mon village, d'ailleurs, j'ai protégé mon village, et je veux protéger ma voix et je défends la République comme d'habitude. Ces gens-là ont transgressé, ont fait violence au village. Moi, je défends le village. Donc, le vendredi d'après, tout est rentré dans l'ordre. Au passage, quand vous voyez le numéro 2 du RCP, le frère de Saïd Saadi qui a fait un communiqué extraordinaire, c'est rabaissé, je ne sais pas, je ne dirais pas de gros mots, mais les choses sont rentrées dans l'ordre. Et maintenant, je suis candidat, je ne me suis jamais caché, M. Pechenou. J'ai toujours voté et j'ai même insisté. Vous savez, le référendum du 1er novembre dernier, il n'y avait pas de vote dans la wilaya, zéro. Et j'ai été au siège de l'ANI à la wilaya, je leur ai dit, je veux mon droit de voter. Moi, je vote. Pourquoi vous ne m'avez pas donné ce droit? Mais Mokhtar, excusez-moi, Omar Aït Mokhtar. Moi, je vais vous poser une question simple, très terre à terre. Je vais essayer d'être simple, ça veut dire pour ne pas noyer le d'accord poisson. Quand la Kabylie, les résultats des élections, qui ne sont pas truqués, hein, c'est parce qu'on ne peut pas frauder à rebours. Oui. On ne peut pas diminuer, on rajoute à la limite, on fait du bourrage. Les résultats ont été parmi les plus. C'est un record mondial. On n'a jamais connu un taux de participation aussi faible dans le monde entier. Il y a très difficilement, dans certains endroits, ils sont arrivés à 1%. Ça veut dire, et vous allez vous présenter dans ce terroir, dans ce bastion de la résistance, contre ce régime, contre ce système mafieux, mafiocrate, prédateur. Et tous les gens, tous vos voisins, vos parents, vos amis, les gens qui habitent en Kabylie, vous disent « Nous, Et vous vous présentez quand même. J'avoue que c'est un peu fort de café, il faut avouer. Vous ne pensez pas ?– Monsieur Benchenou, oui. Le résultat des élections présidentielles du 12 décembre 2019, il y a eu à Tizouzou 9 votants. Les élections de référendum du 1er novembre dernier, il y avait quelque chose moins de 20 votants. Vous comprenez? Et les élections législatives auxquelles j'ai participé, ils ont été truquées. J'ai les preuves et tout ça. Si ça vous va. Et moi, en tant que candidat, je n'ai même pas pu voter. Donc, la légitimité me revient. Ma conscience ne me permet pas
de ne pas dire ce que j'ai dit, mais je ne boycotte pas. Ce n'est pas parce qu'ils ont boycotté qu'il n'y a pas eu de députés. Voilà, il y a des députés qui ont boycotté. Oui, mais, c'est un Parlement illégitime. Parmi les taux les plus faibles du monde, le président est illégitime, le plus grand boycott depuis l'indépendance. Ces locales vont très probablement être boudées, si ce n'est boycottées par la population. Nous allons avoir des maires et des membres de l'APUI complètement illégitimes. Moi, je pense que les choses sont claires. Je me demande comment vous faites pour voir les choses différemment. Permettez-moi de vous rajouter encore une chose. Malgré que les résultats, le suffrage ont été truqués dans les législatives dernières auxquelles j'ai participé, un officier de police m'a dit que, Talmar, tu sais que déjà, comme ça, tu gênes, tu ne veux pas qu'on t'emmène à l'Assemblée nationale pour nous casser encore la tête. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont choisi ces députés. Et je le sais, et je le dis. Maintenant, j'appelle les citoyens à se faire représenter par ces élections locales. Si on veut faire le Hirak, je n'ai pas participé au Hirak, je n'ai pas ce mot déjà. S'ils veulent maîtriser la situation, arrêter un peu la corruption, penser à faire avancer l'Algérie, il faut participer. Voilà, donc c'est pour ça que je participe. J'ai envie de... Après, c'est la commune la plus corrompue de l'Algérie. Je dénonce à haute voix. D'ailleurs, je suis menacé la semaine dernière, si vous voulez savoir, parce que j'ai dénoncé des trucs, et je participe à ces élections. J'essaie d'éveiller les consciences. C'est la solution. Le boycott n'a jamais été une solution. Il faut absolument aller surveiller vos jeunes durant les locales. Pourquoi ne pas participer? Ça n'a jamais... Vous savez, le FFS, c'est lui qui a inventé... J'ai cru que c'était l'inventeur du mot boycott. Ce n'est pas dans le dictionnaire de la Russie. Et ils n'ont jamais rien apporté avec leur boycott. Au contraire, vous comprenez? Donc, je ne vois pas pourquoi participer. Sinon, je dis à tous ces démocrates non pratiquants de laisser les gens voter ou pas. Et je dis... Je donne le droit aux gens qui boycottent de faire campagne. Expliquez-moi s'ils peuvent me prendre. J'arrête. Alors, Mouhtar, une dernière question, si vous permettez. Supposons que demain, les élections se passent normalement et que vous êtes élu à 4 ou 5 % et en Kabylie, c'est difficile de truquer les chiffres. Hein, ils y réfléchissent à deux fois avant de truquer ou de bourrer. Donc si vous êtes élu à 4 ou 5 % vous accepterez quand même le siège, vous siégerez quand même, vous deviendrez maire avec 4 % ou 5 %. Écoutez, par exemple, le problème de Fréha, hein, le taux va être faible, comme d'habitude. Mais par contre, le problème, c'est que les gens en place, qui sont contre, ils ont des clients, ils vont protéger leur bien, et ils ont peur de à ce que quelqu'un d'autre arrive pour fouiller dans leur bouclier. Donc, moi, je ne vois pas les chiffres. Moi, je veux que les choses soient claires, que la gestion soit transparente. Mais vous ne m'avez pas répondu. Si vous êtes élu à 5 % pas de la population comme maire, que le Wali signe le PV et que vous êtes désigné maire, est-ce que vous accepterez de siéger avec 5 % de participation? J'accepte d'être maire à n'importe quel taux. Moi, je demande aux gens de voter. S'ils ne viennent pas me dire que les élections ne sont pas légitimes, s'ils aillent voter, voilà le problème. Vous êtes en train de nous dire la même chose que Tebboune quand il nous a dit « Moi, les chiffres ne m'intéressent pas. Les chiffres de la participation ne m'intéressent pas. » L'aberration. Regardez, les députés qui sont placés le mois de juin dernier. Moi, je vois beaucoup de gens qui placent vraiment pas avec un député de l'État et qui n'a pas voté. Comme aussi ces députés. J'ai entendu le monsieur qui intervenait avant moi parler des indépendants. Ils ne sont pas du tout indépendants. D'ailleurs, ils n'ont même pas voté pour le président de la République, qui avait 9 votants, et ils veulent gagner un titre du président. Ils veulent même privatiser la présidence. Donc, il y a des raisons comme ça, il faut des gens comme moi. Je pense que vous allez me permettre de faire quelque chose qui concerne la ODS toujours, qui concerne jusqu'à le cafouillage. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de crier. Alors, il y a deux clans qui
le club avec d'enjeux du commerce différent, non seulement à l'état d'intervenir, de mettre en place. Je vais me permettre de vous interrompre parce qu'on ne comprend rien. La liaison est très mauvaise. Mais en tout cas, Omar Aït Mokhtar, merci beaucoup d'avoir participé. Merci pour votre courage. Vous acceptez toutes les questions et vous y répondez. Merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver une autre fois, Inch'Allah. Nous allons d'abord. Qu'est-ce que vous pensez avant de recevoir M. Mohamed? C'est Mohamed qui est avec nous depuis Ouargla. Il a du culot, mais en tout cas, il a le courage de ses opinions, de ses idées. Il vient, il affronte les questions, il ne fuit pas, contrairement à la plupart des gens du régime ou de leur relais ou de leur nervis qu'on invite et qui refusent catégoriquement. Bah, c'est ce genre de personnes qui peuplent les partis, la base sociale du pouvoir. Elle a besoin de gens justement qui n'ont pas froid aux yeux, mais chmouche, c'est ça. Et en même temps, moi je pense tactiquement, surtout en Kabylie, parce que c'est là où ils ont peur qu'il y ait un grand boycott, ils vont essayer de placer des gens que la population exècre, que la population déteste. Donc c'est pour dire aux gens, pour dire aux gens justement, si vous n'allez pas voter, c'est-à-dire ils placent des gens. C'est eux qui vont sortir. Voilà, c'est eux qui vont être vos maires. Exactement, c'est eux. Regardez qui va être votre maire. Donc c'est une tactique. Ça a été utilisé même à l'époque du FLN, du Parti Unique. Hein. On est passé du. Les repoussoirs. Les repoussoirs, utiliser des gens exécrés par la population parce qu'ils ont une très mauvaise réputation. Je ne parle pas de lui, je ne le connais pas. Hein. Je ne parle pas de lui. Mais je comprends votre mais logique. De façon générale, c'est quelque chose qui a été utilisé à l'époque du FLN. On présente plusieurs candidats du même parti, mais on place toujours quelqu'un qui n'est pas détesté. Et après, on va réveiller les tambours du tribalisme. Attention, regardez, si vous ne votez pas, c'est lui, etc. Donc les gens, ils vont voter. Mais Goulou Villest, ils ont un dicton électoral absolument ahurissant pour le moins. Igoulou Hamarna ou l'Hassan Nes. Voilà, exactement. Donc il suffit de dire Igoulou Hassan, il aurait voté à l'Hamaro, mais voté à l'Hassan, à l'autre. Voilà, donc ils vont utiliser, à mon avis, ils vont faire essayer. Hein, ça aussi, c'est des vieux artifices. Hein, après, pour le reste, le fait de dire que le pourcentage, le taux de participation, comme l'a dit. Maître Teboul. dans les pays démocratiques, on peut assister à des abstentions intermittentes. Oui. C'est-à-dire, il y a des périodes où les gens en ont marre et tout, ils vont moins voter. C'est conjoncturel, après, c'est des crises, c'est des goûtages. En sciences politiques, on appelle ça les abstentions intermittentes. Intermittentes. Ben, chez nous, ce n'est pas intermittent, c'est continu. Et c'est un rejet structurel. Ce n'est pas une abstention, c'est un boycott. Boycott c'est total. Un rejet. On est dans une dimension structurelle. Donc c'est un divorce. Et c'est pour ça que, contrairement à ton introduction, qui, sur le plan du style et tout, était très très bien, mais le message un peu pessimiste et tout, je ne suis pas d'accord. Nous allons parler. On va y revenir. Nous allons parler. Alors, Mohamed, sur l'intervention de M. Aït Mokhtar. M. Aït Mokhtar, en même temps que la Kabylie, c'est la région où il y a le record de l'abstention, Aït Mokhtar aussi, c'est la personne qui a le record de participer aux élections sans jamais gagner. C'est là où c'est... Donc aussi, il a un record, il n'a jamais gagné un... C'est là où c'est... Parce que dans certaines régions où la participation FLN-RND, elle est acquise presque automatique. On comprend que tout le monde se porte candidat ou à l'aise ou balbarnos ou tout ce qu'il faut avec. Mais dans une région comme la Kabylie où les gens rejettent et quelqu'un qui arrive et qui dit « je me présente quitte à affronter les miens », c'est quand même, il faut dire, assez admirable. Hein, culotté. ou culotté, ou audacieux.
Mais Jamel, on va dire les choses vraies. Ouais. Est-ce que vous croyez que M. Omar Ait Mokhtar a décidé de sa tête de faire ça? Je pense qu'il a encore d'autres... Il a atteint un certain âge, il peut, je pense, profiter de la vie. Je pense qu'on lui a demandé de faire ça. Il y a une volonté d'amener, de pousser, de faire bouger les lignes dans cette... Bah, ça, c'est un corollaire avec la décision du FFS aussi. Comme l'a dit Abbas, pour faire voter. Oui, bien sûr. Un vote de réaction. Il y a toute une volonté de pénétrer et même casser la dynamique et casser la résistance dans cette... ville. Il faut se rappeler ce qui s'est passé à Kharrata récemment, il faut se rappeler des incendies, il faut se rappeler du meurtre de Jamel Ben Smaïl. Tout ça, ça rentre dans une même stratégie de sortir cette... Parce que c'est la première, il faut rappeler que les gens de Kharrata, qu'on arrive même en dehors de Kharrata, le dernier qui a été interpellé, c'est la première fois que les forces de l'ordre rentrent dans un village et kidnappent ou interpellent un militant. Donc on voit qu'il y a une certaine peur qui s'installe, une certaine crainte, un doute avec tout ce qui se passe avec le MAC. Donc on en voit ces faux politiques. Déjà, ils ne parlent même pas politique. Parce que s'il faut parler politique, comment on peut aller convaincre un peuple, des votants, qu'ils n'ont jamais voté? Sur quel sujet va intervenir ce monsieur? Quelles sont ses prérogatives? On voit qu'il est élu maire, on sait qu'il n'a pas de compétences. Donc comment il va vraiment inciter la population? Il n'a aucun argument. Après, je tiens aussi à rappeler une chose qui est importante aussi. Il ne faut pas lui interdire, il ne faut pas lui ôter le droit de se présenter. C'est important parce qu'on entend à gauche et à droite d'insulter les gens, de les traiter des traîtres, le fait qu'ils aillent se présenter. Non, nous, on veut instaurer un état de droit. Il est libre. Il a tout le droit aussi de faire ça. Et nous, on est libre de ne pas voter. Ben, nous, on est libre d'inciter les gens à boycotter. Par contre, il ne faut pas empêcher de telle manière brûler ou s'attaquer à la personne ou même l'attaquer physiquement, ce qu'on a vu par ailleurs. Moi, je pense qu'il faut que le Hirak aussi, et nous aussi, on soit à la hauteur de nos idéaux. Alors, Si Mohamed est avec nous de Ourgla. Si Mohamed, merci d'être avec nous. Marhaba bek. Si Mohamed. Oui. Alam bek, Si Mohamed, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. نحييك ونحيي قناة المغاربية وضيوفك الكرام التي نحترمهم جدا وخاصة الأستاذ محمد بن عيسى. وي. مرحبا بك. ماذا بك يعني إذا تقدر تكلم لنا كما تحب اون فرونسي ولا اون عرب؟ اون عرب باسكو لا بليبار دي جون ما يكونيش با لا لونغ فرونسيز. معليش معليش. ماذا بك تحكي لنا دابور على الوضع تاع ورقلة واش الأمور في ورقلة اللي معروفة باللي مشاكل كبار فيها بالأخص في ميدان الشغل في ميدان الفقر في ميدان اللامبالاة من طرف السلطة يعني تفضل ثم تكلم لنا على الانتخابات كيف راهي سير الأمور. مسي جمال أحييك وأقول لك على ورقلة رانا نحن كما يقول المثال نحن أموات بلا قبور صدر أنا ميتين وبصح ما كاش قبر. Mais Ouargla, c'est la capitale économique de l'Algérie. Où il y a des jeunes, 99,9% sont des chômeurs. C'est un bâchis de Barkhadma, il faut qu'il s'arrête, ou il y a un ouarga, il a jabt le mât ou il a jabt le hma. Il dit, il y a un chérique, il dit, il a dit, les postes rachent 2 heures ou 3 heures. Klaas, mais quand il y a... On a fait la température, tout le monde qui parle avec, راهي في 48 دوغري والالكتريسيتي راهي مقطوعه ما عندناش مي قضيه ورقه 48 دوغري درك اون سو مومون 48 والله 48 راهي زرق والتريسيتي ما كانش ميم با لا ستاسيون راهي حتى واحد 400 متر من هنايا وراني نسكن هنايا مقطوعه التريسيتي من 3 نتاع العشيه ولا هكذاك مي الوالي عنده ان جروب الكتروجين لي ميليتير الدنيا هذوك عندهم لي جروب الكتروجين مي الشعب ان شاء الله حيا ولا مات هما ماذا بهم يموتوا باش ما يخموش عليهم ولا يفكروا فيهم بالرغم ان امكانيات ورقلة من البترول الغاز تعرف سي جمال نعم 17 بايب لاين فايت علينا في البلديه احنا البلديه اللي دوزيام بعد حسين سعود على مستوى لا دوزيام ولايه لا بلو ريش دالجيري نو لو برومي ولايه نو لا كومون لا كومون في ابري حسين سعود ابري حسين سعود توما لا كومون سامحني لا كومون درويسات معروفه فهمني يا سي محمد قبل ما نخليك تكمل يعني
كيفاش تفسر انه المجتمع تاع خاوتنا المواطنين نو كومباتريوت دو لا ريجون دو ورغلا و الصحراء دون فاسون جينيرال للخير نابع من تحت رجليهم يعني لي ريشيس هذم اللي عايشه منهم الجزائر كامله من 62 ورواح نابعه من تحت رجليهم وهم الاخرين في لا ديستريبيسيون ناس كل تاكل شويه 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 الا ناس الصحراء منسيين تماما انا شفت ونعرف مليح المنطقه كيفاه تفسرنا باللي الناس تاع الصحراء يعني باش نهضروها طقف وطبق يعني بكل صراحه أيه. سامحني يعني كيف الناس تاع الصحراء ما شاركوش في الحراك كما كان ينبغي ان يشاركوا شيء يعني اللي ما فهموش الجزائريين ما فهموش حقيقه مسي جمال راه عندكم رشيد عوين نعم رشيد عوين راه خدام معكم تسمى في المغاربيه نعم. رشيد عوين كان اوفيسي دو دوان واكتشف السرقه نتاع بايب لاين نتاع 12 ans نتاع العربي بالخير الغاز اللي فات من الصحراء لاتينيزي ابري ليطالي كيتكلم وداروا مانيفيستاسيون دخلوا الحبس هو وجماعته بزاف رشيد عوين كان مناضل كبير في مع الشومار مع الشيء اللي خلاه يهرب من البلاد يهرب ويطلب اللجوء في الخارج علاش يا مسي جمال باسكو هو قال باللي لو بايب لاين هذا راه 12 ans لو بايب لاين راه الدراهم تاعو المال تاعو اللي فوت $1 راه يزدي فيه العربي بالخير هذا قالوا له انت راك مشوش ومعذر وكلش دخلوا الحبس ماما دخلوا الحبس ومسكين الله غالب ما احنا ورقلا راني نحكي لك الشعب تاع ورقلا عندنا ورقلا 60 ولايه فيها 4 بريزون لي بريزون اون دي غوانتانامو ماشي كيما باسكو موا انا صرات لي افير في 79 لو 14 اكتوبر 79 كنت انجينيور في ان سوسيتي ايطاليان وكنت لو سيكريتير جينيرال تاع السنديكا وكانوا 700 ترافايور الجيريان اون دي ديز الجيريان ما مش لا من ورق لا في لافان بداو يخدموا في لي جيسين كليير في البايب لاين اللي نقول لك لي جيسين كليير في لاسودير هذاك يديروا لي تيست بالنيكليير انا وقفتهم وقفت الخدمه وكلش من بعد جاء لو مومو هذيك ان كابيتان ولا ليتنون تاع الامن سمو خلادي محمد راهو في الحبس في لافير تاع لوتورود شرق رهب هذيك واستدعوني هناكم كوا انا و من حسن مسعود طلعنا لالجي ومن بعد قدم لي الزوج كانهم خدامين في لا ديريكسيون جينيرال واحد يقولوا له كوميسار فالكو محمد واحد انسبكتور ولا مش عارف يقولوا ايت محمد وكان كوميسار سنترال يقولوا له سليمان يا استاذ جمال بيتوني في الكوميساريه والله العظيم جيسكا ميتنون راني كي شغل اونديكابي نضرب في رجليا كلش والصباح جابوا لي الطلياني هذا اسمه كارلوس كافوني كي شاف هكذاك وبيت انا في السيلونة ومربوط في هذاك الشوفاج الحفلة وبالحديد وكلش قال لهم نو 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 هو سيتان ايطاليا شفق عليا انا اكثر من لي زالجيريان ابري داوني للحراش بقيت 72 جور اون بريزون مي اوروزمون في لا جيستيس خلادي هذاك استعرف باللي قالوا له كيفاش هذا حتى جبتوه قال ما انا ما على باليش وكيفاش انت ما على بالك شو وديروا له بلي زوج ملايين تحت الكوسان نتاع سيارتك وتقول قال مانيش انايا يعني. لي دو بوليسي هذا ايت محمد وهذا فالكو محمد انفع كيف ولكن ما يعني ما فسرتليش لماذا خاوتنا تاع الصحراء بالاخص المنطقه تاع ورقلة اللي هي اكبر قطب صحراوي يعني في البلاد لماذا يعني انا نسال سؤال يعني من نيتي يا هل ترى باسكو كاين العسكر بزاف يا هل ترى باسكو كاين العسه بزاف يا هل ترى وشيه يعني التفسير لهذا لا مشاركه في الحراك
لا مشاركه في الحراك. انا اولا قبل اختياراني كبير في السن، راه عندي 73 الله يبارك. مي في الحراك هذا ما ندمش كيفاش جات لو مومون تاع ليتي تاع الصيف هذا، قلت لك لا تمبيراتير ما تهبطش اقل من 45. زيد لا بوليس عندنا تقريبا واحد 20 كازيرن تاع لا بوليس، هذا البيري هذه ما نهضروش، البي ام بي جي والريغلومون كونت، باسكو ليستوار راه ما هي جامي يروح ام سي جمال. دوغول انا واعي عليه كي جا في 60 قال لهم باش يديروا الريفيروندوم، قال لهم لازم ديروا الريفيروندوم وندير لكم ان بارادي اونتر ورقه لحسين سعود. جو فو رسومبلي تو لو بوبل دي شيد اونتر ورقه لحسين سعود في 80 كيلومتر. من بعد جات المانيفيستاسيون تاع 25 فيفري خرج الشعب، كل شعب ورقله بكري، احنا كنا الله غالب على معروفه انه شعب صحراوي ما قبلش الانفصال مع التل، معروفه معروفه، قالوا احنا جزائريين ونبقاو في الجزائر، ما واحد ما يشرينا بلي فوس بروميس. ولكن سي محمد يعني كيف راك تشوف الامور لما تقولنا، وهذا يكون اخر سؤال ونشكرك، تقول 99% تاع الشبان في بطاله يعني سي شومير وي سي انكرويابل لهالدرجه. احنا على بالنا باللي في الجزائر كانت تقريبا 50% تاع شوماج حقيقي يعني حقيقي، ولكن 90% 90% ولا 99%. هذه سي لا بروفو لا بوفرتي 100% سي دي شومور وسام يخدموا مساكين، بالك لي كونتروبانديست هذوك يجيبوا في لا دروغ من بلي موطو بلي موطو، يجيبوا من نيجير من مالي وهما يديبلاسيو. يا جات راه لا بليبار دي جون راهم كوندوني بيربيت و 20 ans وكذا، يحكموا عنده كعبه جايبه من نيجير فوق موطو، وهذوك الصحاب اللي يجيبوا هذوك محميين، ولي جان لا بليبار راهم في الحبس في الشوماج. ميم عندنا لي سوبرفيشي اغريكول النخل تاعنا صاي مات، صاي يبقى البالمية كل مات من الحقرة. اون بليس دو سا يا مسيو جمال الوالي ولا الشيف دايرة ولا يجو لي بوست لا سوناتاك هما يدوهم، وإلا كان شاطط حاجة نقولوا باليور ولا سيرفور ولا بلونجور يخلص 15 مليون في لامان دافر، كاين دي جون سبيسيال ويعطوه ورقة يروح للشركة يقولوا له راحت ل 15 مليون ولا قال بالبوست راك لحقت روطار باسكو درت روطار نتاع 2 ولا 3 وحنا حاتم سعود درك في لا ولاية تاعنا وبلادنا وكلش ليسي باسي وليسي باسي باش تروح حاتم سعود لازم تدفع رشوة باش تفوت، رانا اون ديري في غزة والله يا مسي جمال وراه الواحد كبير. اما نحكي لك انا من 79 والله ما خدمتها ولا عندي ريتريت، وتقابلت مع بوتفليقه شخصيا في 2003 وعطاني وكلش وفي لافان قال لي روح لا جيستيس. من 79 عطاني ليكستريتيجمون لو 11 جوان 2010 رحت لا جيستيس خليت عند انا افوكا 5 سنين هو مات، ومن بعد ولادو عطاو لي ليكستريتيجمون هذيك عطيتها ان اوتر افوكا راهي من 2010 راهي عند الافوكا هذاك قال لي مازال ما سجلتش القضيه نتاعك ما عندي لا دخل ولا خدمه وراني معوق من الضربه هذيك نتاع 79 في الكوميساريه لي روتيل نتاعي راه مكسرين وما عندي لا الاولاد يخدموا لا البنات والله يعلم بحالتي ربي وفي ليستوار شوي انتلكتيال الحمد لله مانيش انسان مي الله غالب ما عندنا ما نديرو. وبارك الله فيك سي محمد، سامحني اذا قطعت الكلام ولكن مرحبا بك في كل وقت ونشكرك على الشجاعه على بالنا قدش الارهاب ضد الناس تاع الصحراء بور لي تيغوريزي بور نو با لي ليسي سيكسبريمي، انت عندك شجاعه كبيره ونشكرك ومرحبا بك في كل وقت سي محمد. الى اللقاء. الوغ مي شيغ زامي nous allons essayer de parler des autres sujets, mais je vous demanderai d'adopter un rythme assez dynamique pour essayer de parler d'un peu de tout ce qui reste.
Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ma vision des choses très pessimiste où je dis, Belli, moi je ne m'explique pas cette absence de réaction de la société algérienne alors que la situation est gravissime. Il se passerait 5% de ce qui se passe en Algérie dans n'importe quelle république moyennement présentable, ça aurait provoqué un tsunami. Ça ne fait bouger personne. Le Hirak, mis à part, bien sûr. Le Chili, un pays où il y a 50% de chômage. C'est incroyable. Moi, j'en parle à des amis français, ils me disent « Non, vous exagérez, ça ne se peut pas, ce n'est pas possible. » Donc, pourquoi vous n'êtes pas d'accord, Abbas ? Parce qu'en fait, effectivement, la situation, elle est catastrophique. Hein. La crise sociale, crise morale, crise économique, toutes sortes de crises. Hein. Et après, moi, ce qui me laisse optimiste pour l'avenir, c'est tout ce que le Hirak a ramené. La population algérienne, au niveau de la conscience politique et de la maturité politique, n'est plus la même qu'avant le Hirak. Et ça, c'est très, très important. Donc, le potentiel, il est là, le potentiel. Après, pour le reste, le Hirak traverse, des zones de turbulence. Il faut voir tout ce que met le pouvoir en place au niveau... Là, on assiste, surtout ces dernières semaines, ces derniers mois, on assiste à un phénomène nouveau, les perquisitions. Les perquisitions, jusque-là, on arrêtait les gens, soit devant chez eux, à la sortie du travail, là, on rentrait dans les maisons. Donc, vous vous rendez compte au niveau... Parce qu'il y a une mémoire traumatique chez le peuple algérien qui a été marquée pendant la guerre d'Algérie. Donc il y a des scènes comme ça, quand on les voit aujourd'hui, ça réveille. Donc il y a un réveil de traumatisme, Les perquisitions, les portes qu'on ouvrait à coups de rangers. Des choses terribles. Donc il y a eu les incendies, il y a eu le Covid, où les gens mouraient par manque d'oxygène, alors que Tebboune, Chengriha et les autres, eux, ils n'ont pas ce genre de problème, ou même Boutef, hein, qui continue, je ne sais pas combien il coûte au peuple algérien. Lui qui a une prise en charge sanitaire. C'est énorme. Oui. De quoi équiper tous les hôpitaux algériens en condensateurs, en générateurs d'oxygène, etc., etc. Donc il y a eu des situations, des coups durs qu'a reçu le peuple algérien, c'est comme un boxeur qui reçoit un coup, il est un peu sonné, le temps qu'il reprenne un peu ses esprits, mais je reste optimiste, parce qu'il y a une prise de conscience nationale extraordinaire, et ça c'est quelque chose qui, pour moi, il est irréversible. Et cette rupture-là, elle continue de s'exprimer, pas dans la rue, mais elle s'exprime, on va le voir, elle s'est exprimée lors des élections, des parodies électorales, où le peuple s'est exprimé, parce que ça, c'est une expression politique de très très haut niveau. Boycotter une élection à des niveaux de 90%, 95% à l'échelle nationale, c'est du jamais vu au niveau dans l'histoire de l'humanité moderne. Hein. Oui. On n'avait jamais... Donc ça reflète une prise de conscience qui, pour moi, me laisse quand même optimiste sur le fait. Après, la trahison des élites, je déteste ce mot. Alors, je l'exècre. Le mot élite. Le mot élite, oui. Parce qu'en fait, il n'a pas sa place en Algérie, dans la situation actuelle. Ceux qui s'autoproclament. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. On sait que, d'un point de vue sociologique, les classes qu'on appelle la petite bourgeoisie, on a toujours... quelques catégories de la petite bourgeoisie qui sont là, qui regardent là où la balance penche, ils y vont, ils accourent, etc. Donc quand il y a eu le début du Hirak, on les a vus, ils ont dit c'est la fin, etc., il faudrait qu'on se positionne. Quand il y a eu un repli pour les raisons que je viens d'évoquer et pour d'autres, eh ben, ils commencent à dire mais non, etc., ou à carrément faire la danse du ventre devant les généraux, hein, voilà. Mais je reste optimiste pour l'avenir. Mohamed ?
Moi, en fait, je suis d'accord avec Jamel sur le point. Oui, les choses sont sombres, bien sûr. Ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement en Algérie, il faut rappeler, certainement, on va l'évoquer, la situation du pouvoir d'achat, l'inflation énorme. Après, on parle de la sécurité, on parle de plusieurs autres choses. Alors qu'on vient d'ouvrir la parenthèse du Hira, quoi, depuis 2-3 ans, l'espoir dont tu évoques. Il n'était pas aussi ressenti comme dans le Hirak, comme avec le Hirak. À part le Hirak, on avait quelques tentations, octobre 88, 2001, un petit peu partout, ou mouvement Barakat, mais après voilà, ce n'était pas vraiment d'une manière aussi profonde que le Hirak. Mais le Hirak actuellement vit un moment difficile, mais ce n'est pas la cause du Hirak, entre autres. Hein. Oui, le Hirak, c'est le peuple, ce peuple-là. Il a été, on va dire, martelé, il a été travesti, excusez-moi le terme, il a été poussé en utilisant ce qu'on appelle la pyramide voilà, des besoins. Le citoyen qui vient de parler de Ourgla, comment vous voulez un citoyen qui vit dans cette situation qui est catastrophique, qui est inhumaine, il faut dire une situation révoltante, inhumaine, choquante. Inhumaine. Ouais, ouais. Il faut rappeler, je suis vraiment, je le salue, M. Mohamed de Ourgla, et je suis... C'est très dur pour nous de dire qu'un chat en France ou je ne sais pas où ailleurs vit mieux qu'un être humain en Algérie. Ce n'est pas possible. C'est pas possible, ça. C'est inacceptable. Et c'est là où je partage aussi l'inquiétude de Jamel. Mais voilà, on peut pas arrêter le Hirak dans des conditions actuelles. Et on le sait très bien que ce système va utiliser les vieilles méthodes. Et encore heureux pour nous qu'il n'a pas encore d'autres moyens et d'autres stratagèmes. Il va utiliser... ce qu'il a dit au Yahya, donc ils vont faire tout pour faire échapper les revendications politiques, mais ils n'iront pas trop loin. En fait, la plateforme, le niveau du Hirak, le niveau qu'a instauré le Hirak, est irréversible, comme tu viens de dire aussi. Alors, on vient d'apprendre que M. Fodel Bomala vient d'être arrêté, après, comme vous venez de le dire, une perquisition très brutale de son domicile. On ne connaît pas encore les chefs d'inculpation et j'imagine que ça va être aussi lourd que les autres, terrorisme. On en parlera demain, mais avant, quelques l'Ihraga, cette flambée de l'immigration clandestine, notamment à destination de l'Espagne, on parle au cours des jours passés de 2717. Quelque chose comme ça. On va essayer de retrouver le chiffre. Haraga, quasiment en quelques jours. Comment expliquez-vous cette flambée, ce désir massif de quasiment toute la jeunesse et même des gens moins jeunes, même des femmes maintenant, qui cherchent tous à quitter ce pays, à s'arracher? En fait, la typologie des Haraga, elle a changé, elle est en train de changer. Au départ, les haragas, c'était essentiellement des jeunes, beaucoup de jeunes. Alors, les jeunes en Algérie, ils ne sont pas en bas de l'échelle, hein. Ils sont en dehors de l'échelle. C'est pire. Comme c'est bien dit. Alors, viennent s'ajouter, aujourd'hui, on voit des entrepreneurs, on voit des fonctionnaires. Des fonctionnaires, ouais. Des hauts fonctionnaires. Ouais. Parce qu'en fait, les motivations, si on fait une typologie des haragas, à ma connaissance, il y a eu quelques études qui ont été faites vers 2012. Alors, mais, pardon, 2217 en juillet dernier. Voilà. Donc, en fait, les motivations ne sont pas les mêmes. Pour un jeune, les motivations, c'est quoi? Il se dit, si je reste ici, je ne peux pas me marier, je ne peux pas construire un avenir, je ne peux pas me projeter ici, je me barre. Pour quelqu'un qui a, on va dire, un statut social et tout, il va chercher le bien-être social au sens de Amartya Sen, le prix Nobel économique, qui a ajouté, il dit, dans l'évaluation de l'état de santé d'une économie, il ne faut pas prendre que l'effet matériel. Le PIB, le PNB, il y a le bien-être aussi des gens. Donc, l'indice du bonheur aussi. Voilà, hein, l'indice du bonheur. Donc, quelqu'un qui a il a besoin d'aller à la culture, d'aller au théâtre, d'aller voir des concerts, d'aller voir le musée, de sortir en famille, d'amener sa femme, d'amener ses enfants au jeu. Vivre. Vivre, voilà. Donc, il ne trouve pas ça. Donc, c'est une autre motivation. Chaque catégorie de la société,
à ses propres motivations. Après, il y a un théoricien américain qui s'appelle Albert Hirschman qui a établi un modèle, justement, il a fait l'articulation entre le mécontentement et la réaction des gens. Quand on est en situation de mécontentement, comment on peut réagir? Donc, il a appelé ça le VL. Je ne vais pas rentrer dans, la théorie dure, mais en gros, ce qu'il veut dire, il a utilisé cette méthode pour expliquer l'immigration du Portugal vers la France entre les années, début des années 50 jusqu'en 74, c'est-à-dire la période dure de la dictature de Salazar. 74, je rappelle que c'était la fin de la dictature, etc. Donc, l'immigration, elle s'est ralentie. Quand on voit les courbes des haragas, depuis le début du Hirak, elle est très très claire. Elle s'est ralentie de façon absolument notoire, spectaculaire. 2019, ouais. etc. Parce que les gens disent pendant le Hirak, ça a quasiment disparu. Disparu presque. Ouais. 2019, 2020, et après quand le Hirak il a connu sa première halte à cause du Covid, c'est ça qui a arrêté. Elle a repris. Là, par exemple, pour compléter les chiffres qui ont été donnés par votre collègue, l'année 2020, d'après les chiffres de la police espagnole, l'Algérie arrivait derrière le Maroc. Et ben, le premier semestre, elle est passée devant le Maroc. Ça représente, les Algériens représentent un tiers de l'immigration clandestine. En Espagne. En Espagne. Donc il y a C'est-à-dire un tiers. Bien ça sûr. Ça veut dire avec toute l'Afrique qui transite notamment par le Maroc bien sûr. Par les ports algériens, les Algériens à eux seuls un tiers. Un tiers de l'immigration. Le premier semestre. Donc on est passé devant le Maroc maintenant. Et bon, le lien, en fait, il y a une interaction entre quand les gens peuvent s'exprimer, ont l'espoir de pouvoir corriger, modifier, améliorer leur sort individuel ou collectif. Ils ne partent plus. Ils ne partent pas. Et c'est ça le modèle de Hirschman. Donc il fait, en fait, il appelle ça l'excite, excite voice et loyalty. Donc en fait, c'est ça. C'est-à-dire, quand tu es mécontent, soit tu as la possibilité de t'exprimer pour essayer de changer les choses. Comment? Eh bien, en t'exprimant, en allant voter, si les élections pouvaient servir à quelque chose. Mais si tu as tout ça qui est bouché, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Mais pourtant, en soi, le Hirak n'a rien changé à la situation des Algériens, sauf en une seule chose. Il leur a donné de l'espoir. Il est porteur d'une espérance lumineuse, celle qui a poussé ou celle qui a motivé nos martyrs. Les martyrs, ils rêvaient de cette Algérie-là, sinon ils ne seraient pas sacrifiés. Ils se sont dit que si il y avait une... L'espérance, elle les illuminait, elle arrivait à anéantir toutes les peurs, tous les trucs. Donc il se dit, on est prêt à se sacrifier parce qu'on est porté par cette espérance lumineuse. C'est ça qui a fait que, voilà. Donc c'est le lien entre la possibilité de changer les choses quand on a les moyens, l'espoir de changer les choses, et l'immigration, la fuite. Elle est là, quoi. Voilà. Quand on espère, on ne s'arrache pas de son pays natal, on y reste. Il suffit juste d'espérer, même si ça ne change pas vraiment dans nos conditions de vie. Qui veut quitter ce beau pays, l'Algérie, et quitter les siens? C'est pas possible. Nous aussi, on est partis tous ici dans des conditions bien particulières. Et maintenant, le désespoir est vraiment en Algérie bien installé. Et le régime utilise, comme j'ai dit tout à l'heure, très bien ça. En fait, on pousse les classes populaires à partir parce que, pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas de prise en charge, ni de formation comme il faut, ni d'insertion dans le marché du travail. Et ceux qui sont déjà installés, on les fait fuir avec quoi? Avec la pauvreté installée. Il faut se rappeler le rapport de la Banque mondiale récent, le mois de mai, je pense, dernier, qui dit que plus de 40% des travailleurs algériens vivent maintenant, avec l'inflation, sous le seuil de la pauvreté. Ils disent que pour vivre d'une manière décente en Algérie, il faut pour un couple composé de 5 membres, il faut 80 000 dinars. Alors, selon la Poste. Voilà, 80 000. D'autres parlent de 12 millions de. 80 000, centimes. Ça c'est par rapport à. C'est le minimum. Le minimum. Pour vivre
modérément. Modéré, c'est par rapport à la, modestement. Voilà, au rapport de la Banque mondiale. Alors que le SMIC, pas le SMIC, le salaire national minimum, il est de 18 000. Donc, il faut dire l'équivalent, 90 euros. Voilà. 2 000, il est de 20 000 en ce moment. 20 000. L'équivalent par rapport au marché, le vrai marché de la devise, à 100 euros à peu près. Et rajouter à tout ça. Et les prix sont les prix d'Europe. Voilà. Avec 100 euros, vous avez un marché quasi européen, les fruits, légumes secs. Alors les soins, c'est pire, puisque les soins ne sont pas remboursés. On dit médecine gratuite, mais en fait, par exemple, scanner, IRM et toutes les choses, et même les médicaments, on ne rembourse qu'une 10% à peu près. C'est un désastre total, en parlant de la Covid, comment ça a été géré en Algérie, que les gens, que l'État est absent complètement dans les hôpitaux, qu'ils ont inventé récemment, je ne sais plus, vous êtes au courant, un aide malade, un statut qui n'existe pas. Chaque malade rentre en Algérie, il lui faut quelqu'un de sa famille pour l'aider, pour lui donner les médicaments. Oui. Alors que c'est pas garde possible. Malade. Garde malade. Un nouveau statut qui n'existe pas, dans le cas surtout face à un surtout Covid. Surtout au Covid. Enfin, en COVID. France, c'est même pas possible d'aller rendre visite à sa propre famille. C'est pas possible. C'est là-bas, c'est chaque malade a son garde malade. Et moi, je suis en contact avec des amis qui ont perdu leur proche. On m'a dit, moi, personnellement, j'ai sauvé des gens de la mort parce que le masque a tombé. C'était moi qui ai été obligé de remettre le masque. Donc, voir ces chiffres-là, 18 000 dinars, comment avec les derniers chiffres des denrées essentielles, hein, une augmentation impossible. On n'arrive même pas à acheter les choses les plus basiques, comme on dit chez nous, l'oubia, tout ce qui est l'oubia, tout ça. Là, on ne parle même pas de la viande qui a flambé. Et pourquoi tout ça? Parce que le gouvernement s'en fiche. Il a fait ce qu'on appelle la dévaluation, la dépréciation du dinar. Pourquoi il l'a fait? Il l'a fait justement pour juste gonfler les recettes et dire... rajouter à la planche à billets encore une manière artificielle de gonfler ses recettes en devise, pas en devise, en dinars, et plus ou moins racheter avec ce qui peut la paix sociale, mais il est en train de plomber tout un pays et que ça va être très dur pour les années qui arrivent. Merci. Nous n'avons pas eu l'occasion de parler des autres sujets. On va les reporter pour demain. En tout cas, merci Abbas Hamadan, merci Mohamed Ben Issa, merci Issi Mohamed, merci Omar Ait Mokhtar, merci à vous. Chers amis, d'avoir suivi cette émission, il faut garder le cap et surtout garder l'espoir. Je remercie beaucoup mes deux invités, Abbas Hamadan et Mohamed Ben Issa, d'avoir un peu comblé toute cette sinistrose que j'ai diffusée lors de mon introduction. Ne nous quittez pas, espoir, attitude. Khawala khair, bsalama. Je ne suis pas en train de changer le monde, je ne change pas l'Algérie ou là, mais peut-être que je change en moi la journée de quelques SDF. C'est tout simple, je vais au restaurant pour le fêtard. Je ramène mes boîtes, les maquillages qui sont prêts. Et les maquillages, hein, parce que ce n'est pas parce que ce sont des SDF que je vais mettre n'importe quoi. Avant de mettre la nourriture dans ces boîtes, je me demande est-ce que moi, je pourrais manger ça. Et quand la réponse est oui, donc je mets la nourriture dans les boîtes. Donc au bout d'une heure, je remplis 14 boîtes et puis après, je sors. Le centre-ville. Je donne à des SDF, ça me prend un quart d'heure, 20 minutes maximum pour donner à 13-14 personnes. Je me suis dit, où est-ce que je vais faire ça? Même si je me donne 10 personnes ou 12 personnes, c'est mieux que rien. Pourquoi pas? Je sais quand même les Algériens aiment dire des trucs qui sont très simples mais qui apportent beaucoup. Donc il faut le faire. Il faut foncer, mais il ne faut pas se comparer aux autres qui font de grandes choses ou quelque chose et se dire que c'est rien. Alors, pour nous, c'est rien du tout, mais pour d'autres, c'est énorme.
Donc il faut juste foncer. Do it.